Allez, je me lance, je le dis tout de suite. Le flic de Belleville. Ben voilà, pas ça le marche. Flic de Beverly Hills. Vous savez qu'on va avoir un numéro 4. Sorti le 17 octobre. Ça, c'est la semaine prochaine, pour absolument. Pour Belleville, avec l'acteur préféré des Français. Ah ben, on l'adore. Omar Qui n'aime pas Omar Sy, franchement. Un film de Rachid Bouchareb. Rachid Bouchareb. Un peu plus sérieux d'habitude. Mais oui, absolument. Oui. Il nous fait des drames historiques, des films noirs. On se souvient d'Indigène qui était à Cannes. Oui. Vous vous souvenez de Jamel Debbouze, Roche Dizem, Samy Boagila. Ils avaient tous eu un prix. Commun d'interprétation. Sérieux. Oui, mais là, il a dû bien rire parce que son film est rigolo et c'est bien réussi. Il a eu envie de changer de registre, donc c'est une comédie policière. On voit l'affiche avec Omar. Tout de suite, on pense évidemment à Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills. À cause de la chemise. Exactement. À l'arme fatale aussi. C'est ce qu'on appelle un buddy movie. Vous savez, c'est ce principe-là qui marche toujours très bien avec les deux que tout oppose. Alors, dans le film, le flic de Belleville, c'est Omar Sy. Il vit à Belleville, il travaille à Belleville. Et puis, un jour, son meilleur ami, un flic de Miami qui vient lui rendre visite à Paris, se fait tuer sous ses yeux. Donc, le flic de Belleville décide de prendre la place de son pote à Miami et d'enquêter pour trouver les assassins de son copain. Mmh. Il sera accompagné dans son périple par sa maman. Sa maman, c'est Biyouna, cette Algérienne de 66 ans qu'on adore, qui est très drôle parce qu'elle se prend pour Agatha Christie. D'accord. Elle aussi, elle mène l'enquête. Et puis là-bas, sur place, à Miami, on va lui mettre un coéquipier. Ricardo, un type pas commode, un Américain. Donc en fait, on a deux buddy movies pour le prix d'un. Vous avez le duo Omar, le flic de Belleville, avec son coéquipier américain, et Omar avec sa maman. Écoutez, c'est très efficace, c'est un popcorn movie. Vous le voyez, vous passez un super moment, vous sortez de là, vous avez tout oublié, sauf que vous savez que vous avez bien ri. Omar, il est top, il fait lui-même ses cascades, même qu'il va vous le dire, on l'a rencontré. Bonjour Omar. Bonjour. C'est bon de vous retrouver. Eh bien, c'est sympa. Parmi nous. Celui qui a le masque. C'est bon, j'y vais. C'est mon fils. Alors, on connaît Rachid Bouchareb pour ses films plutôt noirs, plutôt pointus. Et là, hop, une comédie. C'était tentant pour ça. Et puis, c'est vrai aussi de tenter une nouvelle aventure. Et puis après, quelle aventure. On a tous aimé ces films-là. En plus, son envie à lui, c'était d'y aller franchement et de ne pas cacher les références et les clins d'œil. Donc, je trouvais ça plutôt cool, moi. Vous aviez qui en tête, Omar, quand vous parlez de références et de clins d'œil? Nous, on pense à Mel Gibson, à Eddie Murphy, évidemment. Ben ouais, il y a Le Flic de Beverly Hills, L'Arme Fatale, Midnight Run, Magnum, Deux Flics à Miami, Starkey et Hutch. Il y avait de la série et des films à toute patate, quoi. Et c'était plaisant. Reviens ici tout de suite! M'oblige pas à courir, hein! Bouge pas! Ça, pour un acteur, jouer un flic dans un film d'action, c'est cadeau, c'est joujou? C'est plus que joujou, c'est la récréation. La récréation. Un mot sur Baba, votre personnage, j'aime bien, vous dites, c'est un chinois. Oui! D'accord? C'est un chinois, oui. Donc oui. Un chinois. Noir. Non, un français qui vit dans le quartier à Belleville, chinois. Voilà. Et qui est complètement imprégné de la culture asiatique chinoise, quoi. C'est même pas un parisien, hein. C'est un mec de Belleville et qui est un peu chinois dans sa tête. Donc un chinois. Toi et moi, on fait une bonne équipe. Omar, dans ce film-là, il y a de l'action, évidemment. Il y a même du kung-fu. Oui. Est-ce que, comme Tom Cruise, vous faites vos cascades? On veut une vraie réponse, hein. Oui, alors, je vais répondre, mais ça m'embête de répondre parce que ça fait le mec qui est pas... Voilà, c'est pas à moi de le dire, vous auriez dû le demander à Biyouna ou à Rachid, parce que... La ça fait le mec oui. qui se la raconte. Ben ouais. Oh là là. Comme la réponse est oui, ça m'embête. C'est pas quoi. Possible. Et alors, kung-fu et tout, faut pas trop vous chauffer dans la rue, hein. Non, parce qu'en fait, le problème de notre métier, c'est qu'on a une mémoire un peu tampon, c'est-à-dire qu'on apprend, on est au taquet pendant le tournage, mais une fois que le tournage est passé, on oublie tout. Le français? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, tu n'es pas un vrai flic. Toi, tu es là pour observer, ok? Est-ce que t'es dingue? Alors, un tournage à Miami, ça claque. Tu fais quoi, Omar? Je tourne à Miami. Exactement. Exactement. Mais tu me connais par cœur. Exactement. Ben oui. Tu tournes où? Ouais, on tourne à Miami, là. C'est trop classe. C'est ça ta caisse? Même Deux Flics à Miami, on va pas le faire, en fait. Alors, Omar, en février, on vous retrouve avec Reda Kateb et Mathieu Kassovitz. Le Chant du Loup. Quand même donner le Chant du Loup. Le Prince Oublié, le film avec Michel Hazanavicius, avec Bérénice Béjot et François Damiens. L'Appel de la Forêt, avec Harrison Ford. Et les 35 heures, jamais, non? Non. Il y a tellement de belles choses qui me sont proposées, donc compliqué de refuser. Donc ouais, on se reposera plus tard. Eh ben tant mieux, nous, on est très contents. Merci beaucoup, Omar. Merci. Merci beaucoup. J'ai adoré quand il fait ça, là.
en parlant, ouais, je tourne avec Harrison Ford. Ça va. Il le joue bien. Mais non, mais il est top, sympa. Il est tellement cool. Des seconds rôles aussi importants. Mais là, bien sûr, Biouna, je vous en ai parlé. Oui. Désopilante, Franck Gastambide. Alors lui, celui que vous voyez là, c'est Luis Guzmán. Luis Guzmán. Ceux qui regardent la série Narcos le connaissent, donc c'est le fameux coéquipier dans le film. Si, quand on le connaît. On a aussi Franck Gastambide. Franck Gastambide, c'est Taxi 5. Vous vous souvenez, avec Malik Bentala, ils ont cartonné, mais aussi réalisateur de Pattaya et génial créateur de la série Les Kaira. Et puis, on a aussi Julie Ferrier. Ferrier, oui, oui, qui joue une Française à Miami qui est toujours aussi drôle. Et voilà. Ça arrive à une de ces séries où ils ont descendu voilà. Oui, je viens. Donc, ça, Laurent, ça sort mercredi prochain. Il faut y aller, parce que c'est bon de rire parfois. Il me semble qu'il y a un autre beau mais film. Oui, alors, beau film. Dans un autre genre, oui, un beau film en salle depuis hier. Mais oui, les vacances de la Toussaint approchent. Les enfants aiment bien aller au cinéma. Vous vous souvenez du génial créateur de Kirikou, bien sûr. Michel Oslo. C'est son nouveau film, Dilili à Paris. Quel joli titre. Dilili, c'est une petite fillette qui va enquêter dans le Paris de la Belle Époque sur une histoire de disparition de jeune fille. Voilà. C'est une enquête. Ouais. Le Paris est hyper, de la Belle Époque est super joliment reconstitué. C'est un vrai travail. Voilà. Oui, et on s'était bien régalé avec Azur et Asmar et Kirikou. Exactement. Aussi. C'est vrai. Merci, Charlotte.